Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec Emmanuel Choquette, on vous parle des petits fruits en émergence au Québec. Pour débuter, on vous présente Marcel Plot, fier propriétaire de la cerise -et La Belle des Bois. L'entreprise est située à Neuville et offre des produits haut de gamme à base de cerises ainsi que de la choucroute maison. Bonjour, je suis Marcel Plot, copropriétaire avec ma conjointe Irène Boudreau, la Ceriselle La Belle des Bois et Québec Choucroute. C'est une entreprise de Neuville. Je vous souhaite la bienvenue. On va vous présenter tous nos produits ainsi que nos procédés de fabrication. Alors, bienvenue chez nous. Ici, on a deux volets. Le premier volet, c'est les cerises. Qui ont le, la, la plantation était implantée en 1999. Euh, puis euh, suite à ça, on a développé une gamme de produits exclusifs. Et euh, ma conjointe euh, faisait des lactofermentations, euh, c'est-à-dire de la choucroute, depuis à peu près 35 ans avec sa sœur. Puis elle a toujours voulu une faire. Puis on a rajouté cette gamme-là à nos produits car... Euh, la production de la cerise est irrégulière, on, il faut refaire les plantations souvent, il y a des gels, fait que ça nous garantissait aussi d'avoir un autre produit qu'on peut offrir euh, au public dans la région de port et la grande région 03. D'abord, on, on, on a implanté euh, le, le verger avec euh, une quinzaine d'individus de cerisiers euh, pour faire un test qui s'est avoué concluant. On a ensuite augmenté graduellement. Euh, les plantations euh, jusqu'à en avoir presque euh, 2500. Euh, ça, grâce à, surtout de l'aide du côté des, de nos familles et des amis qui nous ont aidés à planter. Ensuite, euh, les tracteurs et les équipements oratoires sont venus. On a des arrosoirs qui viennent d'Italie pour, euh, mais toujours en, en c'est du petit équipement pour pas compacter le sol. Puis c'est des équipements qui doivent passer à tes te euh, fait que les Européens sont plus spécialisés dans, dans, dans ces équipements ratoires-là. Euh, ensuite est venu le temps de faire la transformation alimentaire. On a fait un bâtiment en 2007. Euh, puis euh, on a équipé, comme on va le voir plus tard, euh, de dames qui viennent d'Italie pour euh, la fermentation des cerises. Et euh, on a ensuite eu un petit problème au niveau du dénoyautage. Euh, ça va bien quand en as dix livres, mais quand t'en as une tonne à faire, alors il euh, y a une un dénoyauteuse qu'on va vous montrer plus tard euh, qui a été faite au Québec dans l'estrie par un petit, euh, un petit ingénieur qui est super fin, qui a développé euh, une, une machine. Puis c'était pas tout à fait comme je voulais. Puis on le fait euh, comme on voulait. Euh, puis là, ça, ça nous permet de de sortir euh, des grandes quantités de cerises afin de pouvoir faire nos confitures et nos différents produits. Alors, vous êtes effectivement présentement dans nos cuisines euh, où est-ce que les produits sont transformés. Alors, le premier volet, euh, c'est le volet de la cerise. Euh, je vais vous présenter la cerise. C'est une cerise euh, qu'on dit acidulée, mais qui est aussi euh, euh, sucrée. Euh, c'est une cerise qui s'apprête à la transformation. Euh, les cultivars viennent euh, de, euh, du centre du Canada, c'est-à-dire l'Alberta et Edmonton. Euh, plus précisément. Puis, euh, une autre série vient de l'Université de Saskatchewan. Alors, euh, les, les produits, ensuite, euh, ce qu'on fait avec la cerise, elle est cueillie. Euh, ensuite, la, premier, la première chose qu'on fait, on, on les met dans des dames qu'on a importées d'Italie, euh, dans, un, un, dans l'alcool, au soleil. Alors, euh, ça fait euh, comme euh, si on cuisait le fruit. Euh, le fruit se trouve à confire, ça lui donne une texture, euh, au lieu d'être molle, ça va durcir, ensuite ça va nous faire une liqueur. À partir de ce procédé-là, on peut acheter, on laisse vieillir environ un an et demi. Le produit est vendu comme ceci, en, dans l'alcool. Ça nous sert ensuite à faire, avec les cerises dans l'alcool et la liqueur de cerises, on va faire un confit d'oignon qui est ici. Euh, qui va aller très bien avec euh, fromage, les terrines, les hamburgers, euh, euh, etc. On va faire aussi un, un chutney au gingembre avec plus de cerises fraîches, un petit peu de liqueur de cerise, un petit peu euh, de cerise. Le chutney va, super, euh, va aller puis le côté piquant du gingembre, ça va aller super bien rajouter une petite touche exotique au filet de porc, au magret de canard, on peut le mettre dans les tartares de saumon. On va faire avec la liqueur des cerises, on va faire une gelée qui est un de nos bons vendeurs, qui va aller très bien avec tous les fromages, les pâtés, les terrines, le foie gras de canard. Euh, on a aussi notre confiture qui n'a pas besoin de présentation, qui est une vraie confiture. Euh, puis à la fin de la cuisson, on, on l'appelle aux deux cerises parce qu'on va mettre... Euh, des cerises dans l'alcool hachées à la fin de la cuisson avec un petit soupçon de liqueur dedans. Alors, euh, c'est notre gamme euh, pour les cerises. Puis quand on a des noyautés, au début, c'était drôle parce qu'on n'avait pas une grosse production, mais il y a un problème au niveau des noyaux qu'il faut faire, puis euh, l'équipement spécialisé n'est pas vraiment disponible ici. C'était fait sur mesure. On a euh, une machine qui a été faite en estrie. Euh, il manque les, 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 les adapteurs en plastique alimentaire, mais les, grosso modo, les cerises vont monter dans la chaîne ici, euh, vont être distribuées, montent. Les dénoyauteurs sont ici avec les pistons à air. Les noyaux tombent en dessous et les cerises tombent dans des plats, dans, dans un gros contenant à l'arrière. Le tout est toujours en continu. Euh, pour fournir une personne, ça en prend trois en arrière et on a encore une vérification au niveau du noyau. Il y en a toujours un qui passe, c'est pas notre ami. Alors euh, est le, le procédé. Ah, j'oubliais la culture des cerises. Euh, les cerises vont tomber en fleurs euh, au mois de mai. Vers, habituellement, euh, la fête, euh, là, je ne sais pas comment que le monde l'appelle, mais de dollars ou de la reine ou euh, bon. Euh, normalement, on n'est pas loin de la vérité. Et les cerises vont commencer à être prêtes dépendamment là, de, de l'été comment ça a été le printemps. Euh, fin juillet, début au maximum, première doux pas mal tout est récolté avant que nos jets bleus sortent du bois pour les manger. Il y a deux types de cerises. Il y a les types sucrés et les types euh, acidulés, euh, qu'on appelle le tart cherry en anglais. Euh, la première des deux, la, la, la sucrée, est une cerise de table qu'on va manger, euh, qui, est, qui est sucrée, mais qui n'a pas vraiment de qualité culinaire euh, parce que le, le, ce qu'on appelle le tart, l'acidité, euh, va donner euh, tout le corps au produit transformé. Alors que si vous achetez une, une, une tarte aux cerises, c'est fait avec les cerises comme ça. C'est ça qui va donner le goût. Les confitures sont faites avec ces cerises-là, qui peuvent être de différentes couleurs. Celui-là est rouge, on en a des noires, il y en a qui sont un petit peu plus jaunes. La chair est jaune. Euh, puis la différence qu'on qu se fait souvent demander, est-ce que c'est une cerise de France, dépendamment qui vous êtes, la réponse est oui ou non. Euh, si votre question, c'est que votre grand-mère ou votre oncle euh, euh, avait un cerisier que vous mangez ou que les oiseaux mangeaient avant qu'ils mangent, euh, la réponse est oui, c'est le même genre. Ça, c'est un cerisier de Montmorency Ceux-là sont plus sucrés, les arbres sont plus petits, se portent mieux à la cueillette. Le Mamorancy, lui, plus aux deux ans, va donner des, des, euh, des belles récoltes. Euh, là, c'est vraiment ça. L'autre, la cerise de France, qui dans les années 70-80, début 80, les cerises venaient de France, c'était la cerise Bing, qui est une cerise sucrée. Euh, non, ce n'est pas celui-là, car la, la cerise sucrée ne pousse pas ici. Euh, oui, il y a toujours quelqu'un qui va dire j'en ai un, Il est probablement sur le bord du fleuve ou sur le bord d'une maison, mais la minute qu'on va avoir un gros froid, ça va prendre 3, 4, 5 ans, mais l'arbre va geler. Euh, parce que ce n'est pas un arbre qui est fait pour nos climats. On va le retrouver. Euh, un peu plus dans la péninsule du Niagara, on va commencer à en retrouver, puis on descend dans les États. Naturellement, en Colombie-Britannique, on va retrouver le cerisier sucré. Alors, ici, notre deuxième volet. Comme je disais un petit peu plus tôt, ma conjointe, fait 35 ans qu'elle faisait de la choucroute avec sa sœur. Puis ils ont toujours voulu partir. Ce volet-là, on avait de la place, des chambres réfrigérées, on avait tout. Fait qu'un bonsoir, on s'est dit, tiens, on va partir. Alors, euh, euh, on a commencé à faire des lactofermentations. Euh, le mot paraît beaucoup gros, mais finalement, c'est de la choucroute. Euh, c'est une fermentation qui se trouve euh, à transformer les sucres en acide lactique. C'est un peu plus complexe que ça, mais euh, ça acidifie les légumes pour les conserver, comme si on les avait marinés. C'est un vieux, vieux procédé euh, ancestral. Euh, qui date euh, de milliers d'années, qui a origine en Asie, qui ensuite s'est propagé vers l'Europe euh, pour aussi venir ici faire euh, ses débuts. Et ça devient de plus en plus populaire. Alors, euh, le premier euh, qu'on a fait, naturellement, c'est le classique, c'est la choucroute, euh, qui est un chou. Nous, euh, qui a été fermenté, on taille le chou mince avec un équipement qui vient d'Europe. Euh, après ça, c'est mis dans les gros barils avec des poids et c'est euh, euh, fermé hermétiquement. C'est anaérobique, on n'a pas d'oxygène. Les gaz vont s'échapper à, à travers une bombe. Puis euh, la fermentation va durer à peu près 60 à 75 jours. Euh, après ça, on mesure les degrés d'acidité. De, on va se rapprocher d'un pH de 3.2, 3.4. Et la choucroute est prête, ça se conserve à peu près un an. La choucroute blanche peut facile naturellement classique avec les hot-dogs, les charcuteries. Euh, on peut aussi le faire avec des pommes, le boudin. Euh, on va avoir. Moi, j'aime bien les faire en godille, c'est-à-dire on fait juste écraser, enlever le jus, on met une mayonnaise, des crevettes, du crabe, du homard. On peut mettre après ça les échalotes vertes, des piments, des poivrons orange, jaune, mettre de la couleur. On sale, on poivre et on met dans des beaux petits pains hot dogs euh, naturellement, nous, nos produits se retrouvent dans les épiceries, mais on vend aussi à la restauration en chaudière euh, qui est de 4 litres et des 3,5 kg ou pour vos parties du mois d'octobre, octobre euh, c'est disponible. Euh, ensuite, on a, on a fait une choucoute rouge qui est au chou rouge. Euh, ça va nous donner un petit peu moins acide, un petit peu. Plus sucré, puis un goût de betterave. Euh, normalement, il est disponible aussi en, en cru. Celui-là sont crus, donc c'est vivant. Euh, tous les probiotiques qui sont bons pour la santé sont présents. Cela a été cuit pour permettre la stérilisation pour la conservation en peau. qui peut se garder à peu près un an, un coup vert, on garde dans le jus et ça se conserve encore au friches d'air pendant une longue, longue période. Les nouveaux bébés de cette année, on a fait. La mixture 300B, qui est un, des légumes lacto-fermentés. On va avoir du chou, du kale, du tapinambour, du poireau, euh, poivron rouge, orange et jaune, carottes et navets. Euh, ça nous donne ça, extrêmement festif. C'est croquant, c'est super bon. Ça se rapproche à, à un peu d'une salade de chou, mais, mais beaucoup plus goûteux. Euh, c'est un de nos bons vendeurs. Ensuite, on... On a fait une choucroute pour les amateurs de piment. Euh, Celle-là est fermentée pour 300 livres de chou. Il y a 120 livres, moitié-moitié, piment Serrano qui est mon favori, avec le gel euh, On va s'en servir plus comme condiment euh, qui va aller dans les hot-dogs, les hamburgers, accompagner un steak ou dans un sandwich pour donner une petite touche pimentée. Euh, la, la lactofermentation a baissé le degré de, de chaleur du piment, donc c'est beaucoup plus tolérable, c'est moins pire que ça paraît. Euh, puis le fait que c'est d'acide lactique, bien, au niveau des intestins, ça va moins être agressif euh, qu'un que qu piment mariné, par exemple. Ensuite, on, on a les cornichons, que présentement on est en train de les avoir. Euh, les cornichons euh, nous viennent de Neuville, de la ferme Côté. Euh, c'est le vrai, lui garde encore cette souche-là, c'est un des seuls les petits cornichons du Québec euh, de, euh, qui sont faits par M. Côté que l'on met à lacto-fermenter. L'autre trouble, c'est la lacto-fermentation. Ça, c'est le vrai, vrai cornichon juif cachère qu'on va manger avec le «smoke meat. C'est le vrai, vrai, vrai cornichon. Et le fait que le côté laiteux est tout à fait normal. Et on peut aussi servir du jus pour mettre dans notre soupe ou encore. On peut s'en servir pour faire des vinaigrettes. Alors, euh, le, le, le cornichon aussi, on est en train présentement de les faire ils sont en saison. C'est mis encore une fois dans des gros barils, dans une saumure, puis c'est laissé à fermenter à peu près 70 jours. Euh, tous ces produits-là, puis on a une, des nouvelles surprises qui s'en viennent pour l'année prochaine, mais tous ces produits-là vont se retrouver dans les épiceries, dans les marchés publics euh, et euh, souvent au menu, dans différents restaurants de la région. Euh, le Rockmont, Cascro du Fleuve, etc. etc. Alors euh, nos produits vont se retrouver euh, de différentes façons sur le marché. C'est-à-dire, euh, on a le volet de la restauration. On va vendre dans les euh, hôtels, les restaurants et les casse-croûtes, les microbrasseries euh, de la région. Euh, on couvre de Saint-Anne-de-Beaupré jusqu'à peu près euh, à Lévis, puis Trois-Rivières, Shawinigan de l'autre côté. On va prendre de l'expansion probablement. Nos produits vont aussi se retrouver au détail. Euh, dans les bonnes boucheries, <coughs> dans les supermarchés, les boutiques fines, euh, les épiceries fines plutôt, on va avoir aussi les fromageries. Euh, ensuite, on va retrouver nos produits distribués par nous-mêmes en marché. Les marchés publics qui sont devenus extrêmement populaires euh, à Deschambault, Pont-Rouge, Saint-Raymond. Euh, on a les écureuils qui commencent cette année mais surtout le, le, le beau marché de Deschambault, qu'on est là presque tous les samedis de 9 h à 1 h. Si vous voulez nous rencontrer, on va être là pour pouvoir faire goûter les produits et discuter avec vous, ça nous faire un grand plaisir. Alors, euh, présentement, euh, on n'est pas encore ouvert au public parce que travail travaille pas mal fort on n'est pas équipé pour recevoir les gens. Euh, mais on vous est, est situé aux limites de Neuville et de Pont-Rouge, euh, dans, dans le petit cap -ça. Alors, euh, je, euh, éventuellement, va avoir, ça, on va être disponible à l'ouverture euh, en saison. Euh, mais euh, vous pouvez toujours nous rencontrer dans les marchés publics. Ça va nous faire un plaisir de faire goûter nos produits et de discuter avec vous. Voici maintenant Emmanuel Choquette de l'entreprise Papille qui nous parle des petits fruits en émergence au Québec. Donc, euh, on va parler aujourd'hui des, euh, des petits fruits en émergence au Québec. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, au cours des dernières années, il y a eu plusieurs articles ou émissions de télévision qui ont parlé des différents petits fruits qu'on vient planter au Québec. L'argousier est un exemple, mais il y en a euh, également plein d'autres. Donc, euh, pourquoi parler des petits fruits? Bien, premièrement parce que c'est des cultures qui sont bien adaptées à nos régions ici. C'est souvent des petits fruits qui, soit, étaient présents euh, au niveau, à, à un niveau indigène, donc, qui étaient déjà présents ici, peut-être pas avec les mêmes cultivars, mais euh, puis qui sont très bien adaptés à notre climat parce qu'ils euh, ne ils demandent pas nécessairement là, un été très, très long et très, très chaud. Le premier dont on peut parler, c'est la camrise. La camrise, on en entend de plus en plus parler, c'est un petit fruit allongé de couleur bleue qui peut peut-être ressembler un petit peu à un bleuet. Et qui va avoir un goût, dépendamment des cultivars, qui va varier. Là. Euh, oui, qui va se rapprocher un petit peu du bleuet, mais qui peut aller vers la rhubarbe, ça a une certaine amertume, tout ça. Et ce qu'il y a de spécial également, ce petit fruit-là, bon, premièrement, il est capable de tolérer de très grands froids. Donc, il pousse partout. Là. Il y en a même de plantés dans le coin des îles Mingan, puis ça pousse très bien. L'autre chose, c'est qu'il est prêt très, très, très tôt. En fait, il est prêt avant les fraises. On le récolte souvent à la fin juin. Donc, c'est un défi également de mise en marché pour les gens qui le produisent parce que dans notre calendrier de Québécois de petits fruits, bien, on va voir les fraises, les framboises, les bleuets. Mais avant les fraises, normalement, on récolte les asperges, mais pas nécessairement des petits fruits. Donc la cambrise, on peut la valoriser de différentes façons. Fraîche comme ça, il y a différents cultivars qui sont bons, qui sont sucrés, mais elle est surtout appréciée pour son petit côté surette qui va par exemple aller très bien dans des sauces pour le gibier ou qu'on va transformer soit en sirop, en liqueur, en confiture, en mousse. C'est quelque chose qui est de plus en plus populaire aussi dans les restaurants et les pâtisseries, notamment pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Donc si vous avez la chance de pouvoir y goûter, faites-le. Parce qu'on va en avoir de plus en plus sur les marchés. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'en est planté dans toutes les régions au Québec et euh, qu'en ce moment, la production est en augmentation. Donc, c'est un des petits fruits à surveiller. Un autre petit fruit, peut-être un petit peu moins connu au Québec, c'est l'aronia. L'aronia, c'est un petit fruit, euh, euh, c'est une petite boule noire là, qui, euh, qui, poussait, euh, qui peut pousser à l'état sauvage dans certaines régions, mais qui euh, commence à charmer aussi certains producteurs qui en ont installé dans leurs champs. L'aronia, c'est n'est pas un petit fruit qui va être agréable à manger comme ça, frais, parce que ça a une certaine amertume. Par contre, euh, transformé ou dans des vinaigres ou dans des sauces, encore là, c'est un petit fruit qui est, qui, est, qui est super intéressant. Il y a des gens qui vont l'ajouter également à leur smoothie. Au Québec, euh, il y a déjà des produits qui sont vendus, là, déjà des smoothies à base d'aronia qui sont disponibles dans les magasins d'aliments naturels. Euh, puis, il faut dire, c'est un, 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 les... les euh, les qualités de ce petit fruit-là sont multiples. Donc, on va parler, par exemple, que c'est un petit fruit qui va être diurétique, qui va combattre l'hypertension, qui, qui contient une quantité très impressionnante d'antioxydants. Donc, ce euh, qui, a, qui a plein d'avantages. Donc, tranquillement, mais sûrement, c'est un petit fruit qu'on va, qu va voir apparaître également sur nos marchés. Euh, donc, si vous avez la chance d'en acheter, que ce, que ce soit frais ou congelé, demandez peut-être au producteur la meilleure façon de pouvoir l'apprécier. Parce que comme, comme d'autres petits fruits, par exemple la canneberge, si on mangeait une canneberge comme ça, euh, fraîche sans la transformer, ce euh, serait peut-être pas la meilleure façon de l'apprécier. Par contre, euh, bien mis en valeur, c'est euh, un autre produit à découvrir. Euh, un autre petit fruit, encore là, un petit fruit foncé dont on peut parler, c'est la mélange. La mélange, euh, il y a des personnes âgées qui connaissent très bien ça. Euh, euh, encore là, ça pousse dans un arbuste qui est, qui est indigène au Québec. On va en voir, euh, moi j'en vois souvent, là, au mois de début juillet, on les voit en fleurs. Moi, c'est comme ça que je les surveille, puis après ça, je vois son haut les armes, je vais je viens en cueillir. Normalement, le petit fruit il est prêt. Euh, au mois de juillet. Donc, il pousse à l'état sauvage, mais euh, il peut également être planté. Euh, il peut même être planté chez vous, là, parce que c'est un, un arbre qui a plein d'avantages, qui pousse assez rapidement, qui coupe le vent, euh, qui est beau, qui fait des fleurs blanches au printemps. Et le fruit, ça ressemble à un bleuet, mais ça goûte la poire. Donc, les personnes âgées appelaient ça souvent les petites poires. On en retrouve beaucoup sur les îles du fleuve, donc à l'île d'Orléans, à l'île aux Coudes, c'est des endroits où on en trouve des grandes concentrations. Euh, dans d'autres entreprises aussi, comme il y a des fermes qui l'ont planté comme haie-brise-vent. Donc, ce qui est intéressant encore là, c'est que si c'est bon pour nous, c'est bon aussi pour, pour les oiseaux. Donc, les oiseaux en raffolent. Donc, la mélange, on, il y a quelques entreprises qui en produisent en ce moment au Québec. Souvent, c'est plus une, une production qui est complémentaire parce que, euh, contrairement, par exemple, au bleuet ou à la camerise où le, le petit fruit euh, est accessible. Bien, des amélanchis, ça peut devenir assez haut. Donc, pour la cueillette, c'est euh, un bon défi. Par contre, euh, moi, c'est un de mes petits fruits préférés. Dès que je peux en avoir, j'en je, 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 achète parce que le goût, c'est un petit goût de poire avec un, un petit goût de noyau, mais je dis ça, c'est très, très, très positif. Là. C'est savoureux. Euh, il y a certains alcools, à l'île aux coudre, donc les vergers Pedneau font une crème de mélange qui est excellente, qui peut être servie un peu comme une crème de cassis dans un, dans un kir. Donc, euh, petits fruits à surveiller et même à planter à la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. On vous parlera du marché public de Pont-Rouge, du PDZA et on vous présentera une autre entreprise membre de Culture de saveur, la Miel et Doré.